retrouve pour une petite vidéo sur donc ça va être ma première vidéo. Bon, je la commence un peu en cours de route, mais vous voyez que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste un coffre avec pas grand chose dedans, à vrai dire, hein. Il y a que ça. Voilà. Bon, j'ai trouvé un petit comment ça s'appelle? Un petit village abandonné et tout ça. Je me suis mis bien, mais pas plus que ça, à part le petit armure que j'ai trouvé aussi. Et du coup, ça va être un serveur un peu PvP faction, mais libre. Donc, attendez. Tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut. Et bah écoutez, j'ai qu'une seule chose à dire. C'est parti. Bon, du coup, vous voyez qu'on est sur la version 1.16 de Minecraft qui est sortie aujourd'hui, là, il n'y a pas longtemps encore. Et bah écoutez, go se faire une petite vidéo dessus, du coup. J'étais chaud pour aller dans les mines. Ce qu'on va faire tout de suite, hein, écoutez. Et on va se faire un petit. Parfait, désolé, merci. On va se faire un petit stuff aussi. J'avais un cheval qui est ici, mais et il est bloqué, je pense, maintenant. Alors, on avait du charbon. Je sais pas s'il nous en reste, mais on va aller chercher des torches. Ce qui pourrait être sympa. Parce que sinon, on va rien y voir et ça va être un peu embêtant pour vous et pour moi. Alors, donc là j'ai du bois, parfait, là aussi, petite planche, toujours bien. Donc on va essayer d'utiliser tout notre bois, histoire de se mettre bien. Tac, tac, on va faire un max de stick. Le charbon, et on fait la petite torche, 56, écoutez, c'est parfait, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va aller de quelques. Moi, j'ai bien envie d'aller par là-bas. Ça m'a l'air d'être une zone un peu sympathique. En plus, ça a l'air de descendre pas mal vite. Ah, attends, elle est où mon épée? Elle est où mon épée? Ok, on va attendre un peu peut-être avant d'aller dans les mines. On va remettre un peu notre inventaire dans l'ordre là. Et voilà, là on est bon. Ah. J'ai raté mon saut. Lamentable. Bah du coup on va aller par là. Ça descend moins raide. Ça va être plus simple pour nous. Écoute, attendez. Parce que là du coup on a l'entrée dans cette grotte. Ah oui, ok, non, ok. Ok, c'est bon. Je me repère un peu. De charbon, quoi qu'en vrai on en a beaucoup du charbon, c'est pas la première nécessité. On va se dire qu'on en a ici, quoi, si on en a besoin. Et pour l'instant ça va aller. J'ai vu qu'il y avait un creeper aussi et on a du fer. Je regarde un peu ce qu'il y a aux alentours, genre ici il y a rien, ok, pas de monstre. Oh, par contre celui-là je l'avais pas vu. Ok, c'est bon. Alors tu vois, ça nous a libéré un petit passage ici, on verra plus tard. Ça c'est cool, c'est notre premier fer ensemble les gars, premier fer. Et ok, attends, on a fini notre film là, c'est tout? Non non, c'est ça. Non non, on avait bien fini notre film. Ok, alors bah c'est déjà un cul-de-sac. Écoutez, c'est pas la meilleure des comment ça s'appelle, des grottes pour l'instant. J'ai vu mieux, j'ai vu mieux, j'ai vu mieux. Attends, on va se faire un petit escalier ici. Toujours les torches à droite, ça c'est une bonne technique. Ou à gauche, hein, si vous préférez. J'ai vu qu'il y avait du fer ici. On va le prendre vite fait. Bon, je vous avoue, je parle pas trop parce que je suis un peu stressé en vrai dans les grottes. J'ai peur d'exploser à tout moment, quoi. J'imagine que vous me comprenez, parce que j'ai pas un très bon level. On va descendre un petit peu jusqu'à trouver des diamants peut-être, mais même si on pourra pas le prendre tout de suite, on passe jamais à côté du fer, jamais. Juste histoire de dire qu'il est là, quoi. Alors, ok, là on a fini notre premier petit filon, donc on est à 15, 15 c'est pas mal ça. Il y a un trou au-dessus, faudrait que je fasse gaffe. Ça c'est quoi ça? Non, mais déjà, attendez, non, non. Oh oui, c'est parfait en fait.
on va se faire un petit stuff en fer peut-être avant de venir ici. Tac, mais non, mais ça sert à rien ce que je fais là. Je sais que c'est dangereux. Je suis au courant. Ok, ici, il y a un petit donjon, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça la technique des torches à droite, c'est que forcément, quand vous rentrez, si vous posez toutes vos torches à droite, le chemin de retour, toutes les torches seront à gauche. Et ça, c'est vachement pratique. Je peux vous mentir, j'ai vu ça dans une vidéo de Fuse 3, je sais pas si vous regardez. Moi, j'aime bien Fuse 3. Mais je sais pas si... Enfin, j'aimerais bien jouer sur Palladium, ça pourrait être sympa en vrai de faire une petite série aussi sur Palladium. Le problème, c'est que je suis absolument pas sûr que ça soit sur... comment ça s'appelle, PS4. Parce que déjà que sur PS4 on n'a pas les serveurs, alors pour avoir Palladium ça va être bien chaud. Là c'est un peu énervant tout ça là, c'est pas grave. Vous voyez ce genre de bruit là qui font stresser un peu là? J'aime pas du tout. Pas du tout. Bon, je pense que pour finir cette vidéo, on va, pour la conclure, on va essayer de se faire le petit donjon là en bas, récupérer le stuff qu'il y a dans les coffres, et puis peut-être faire une petite base de notre maison là, et une petite fondation, et puis je pense qu'on pourra finir notre vidéo dessus, pour être sympa. Donc objectif, ok c'est bon, il m'attaque pas, non, ok il fait pas de nuit. Objectif, ah bah si, je m'attaque. J'ai pas compris. Objectif, comme je disais, finir notre petit donjon et puis faire les fondations de notre maison. Tac, c'était par là, ouais, ok. Bon chemin. Là-haut. Ensuite, c'est pas par là, mais j'ai envie de visiter par là. C'était peut-être par là en fait, je sais pas. Non, attendez. Du coup, ça va être de ce côté, les torches. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être juste voir par là, là, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Si, du fer. C'est toujours plaisir. Là, je pense qu'on va pouvoir se faire un petit full fer, hein, bientôt. Je sais pas, attendez. Le plastron, ça coûte 8 de fer. Ensuite, on a les bottes 4. Donc ça nous fait... voilà, là, les maths et moi. 8 plus 4, ça fait 12. Ok, donc on a 42. 12, ensuite, on a les jambières. Ah oui. Donc les jambières, ça fait... Attends, on peut juste voir le caisson. On peut pas se supporter avant. Non, le fer il a disparu, il y avait du fer là je crois. Bon, les jambières du coup ça coûte 7 je crois, parce que le carré ça fait 9, ouais 7, ok. Donc on sera à 19. 19 plus le casque qui coûte. Casque qui coûte. Attendez. 8, 4 du coup aussi. Et ensuite on aura l'épée et la pioche. Donc attends, 4 donc. Fera 23 26 26 28. Ok bah c'est bon, on sera complètement bon. On va aller faire, ah, attends, ah oui il nous faut de la cobble par contre, sinon on est mal parti. J'ai quoi là-dessus, efficacité 3, c'est pas bien. Ok attends, oh si 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 si, c'est bien. Attendez, si là-dessus attends, si avec une pioche comme ça efficacité 3 ça fait ça. Je me demande bien sur une pioche en netherite. Je sais pas vraiment si en vrai la pioche en netherite, elle augmente la rapidité ou alors la puissance de la pioche ou pas. Ou alors c'est juste qu'elle est plus puissante que le diamant en termes de durabilité. Je sais pas trop. Bon, allez, on va faire... Ah oui, le bouclier aussi, on a oublié le bouclier. Ah oui, ben, ça peut pas dormir puisqu'il y a quelqu'un. Ok, c'est bon, on reprend. Alors, du coup, un petit fournace. On a besoin de notre table de craft. Donc,
Là, vous voyez, par exemple, il me dit qu'il n'y a personne. Bah, du coup, si vous voulez rejoindre, sachez que vous êtes les bienvenus. Ok, hop là, deux petits fours. Alors, on va diviser un peu tout ça. Voilà, hop là, tac. Tac, tac. On avait du charbon, ça c'est parfait. À chaque fois prendre le charbon et ensuite le diviser au lieu de le diviser après l'avoir pris. Enfin, vous comprenez, vous avez vu quoi. C'est assez énervant. Ok, on va prendre le pain, on va le manger aussi. Je sais pas si c'est pas mieux des fois de garder cette armure, même si elle est pas du tout puisse. Je sais pas, parce que elle a quand même un protection 2. Hein. Protection 2. Attendez. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon full fer avec la petite épée et la petite pioche qui font plaisir. Je pense qu'on peut aller se faire. Et oui, et le bouclier aussi. Le petit bouclier contre les arcs, ça fait vachement du bien. Je pense qu'on peut aller sur notre petit premier. Donjon, je vais appeler ça comme ça, je sais pas trop comment je devrais l'appeler. Attendez, il y a plein de zombies qui sont enfermés. Ah, parce qu'il y a un villageois au-dessus. Attendez, je vais voir s'il fait pas du bon trade. Ça pourrait être sympa. Alors, bonjour petit villageois, qu'est-ce que tu nous vends? Casse-toi, je t'aime pas. Arnaqueur, va. Ah, ou. Ok. Bon. Alors, notre petit donjon. Comme par son joli nom. Tac. Ah ouh. Oh, il a failli nous faire tomber lui. Ensuite, il n'y a rien là-bas. Est-ce que l'araignée. Mais oui, mais pourquoi dans les grottes elle nous attaque les araignées alors que. À l'extérieur, quand il fait jour, elle nous attaque pas. Je savais pas ça. C'est un peu. Je vais pas dire dommage, mais. C'est un peu frustrant, on va dire. Allez, non, c'était pas par là, c'était peut-être par derrière, du coup, par là. Je crois que c'était plus par là. Ouais. Et là, on descend et on arrive sur l'angle. Non, si, ok, c'est bon, c'est là. Ah, attendez, on va se faire un petit passage pour repartir ensuite. On va prendre des blocs de notre main, hop là. C'est dans l'inventaire, on s'en fout un peu. Et c'est parti. Du coup, je crois que c'était vachement plus facile que ce que je m'attendais. Ah, un livre. Bon, c'est pas très. Je sais pas si on peut se réjouir de notre livre, mais. Ça nous fait quand même un petit livre assez sympa. Ah, ensuite on a une armure en fer aussi pour notre cheval qu'on va équiper tout de suite. Et puis bah, on va récupérer le coffre. C'est toujours bien. Et puis on va y aller. Bon, écoutez, du coup je pense qu'on va arrêter la vidéo plus tôt que prévu parce que finalement j'avais quelques petits imprévus. Enfin, c'est le même mot en fait. Et puis du coup ouais, parce que j'étais pas prêt, c'était ma première vidéo on va dire vraiment avec un peu de contenu, même si elle était très courte on va dire. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, juste on va donner notre armure à notre cheval, notre joli petit cheval qui nous attend. Okay, j'ai cru que j'allais prendre des dégâts, mais voilà, avec sa belle petite armure en fer là. Ah, il est beau gosse, notre cheval. Je l'aime trop, faudra qu'on lui trouve une armure en diamant bientôt. Et puis, bah écoutez, je pense que pour notre prochaine vidéo, notre objectif, on va se le fixer, on va faire une maison, puis ensuite, go le diamant. Écoutez, je vais vous faire un petit au revoir digne de ce nom, on va dire. Bon, du coup, je vous dis au revoir. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à
à liker, à partager, à commenter, et puis surtout à vous abonner. Hop là, yes. J'aime trop ces trucs-là. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve